Christian. Salut le Trouduc. J'ai toujours rêvé de faire ça. Eh ben, allez, profitez-en, Christian. Salut Dormeur, t'as une vraie tête de connard. Merci. Christian, il est en roue libre. Hein? Attends, je veux dire, vous êtes en pleine forme. Oh, ben, je suis en pleine forme, hein. Je suis trop content d'être là. Alors, je vais vous présenter, Christian. Ben, je te le fais, hein. Je suis handicapé. Ah, si. Ben, je te le fais quand même. Je m'appelle Christian, j'ai 45 ans, je suis célibataire et dans la vie, je suis fan de Jeff et Jean-Marc. Voilà. Je connais tout par cœur. Il est content, il est content, il est content. Il a fait sa blague de merde, il est content. Je connais tout. Ah, ben, je vois. Et quand il fait Jean-Marc président, Jean-Marc président, Jean-Marc président, j'adore. Eh ben, je pense que ça lui fera plaisir. Il a attelé, je suis une horreur. C'est Jean-Marc, mais je crois. Ouais, Jean-Marc, je suis trop fan de toi. Ouais, c'est gentil, mais je vais pas pouvoir torcher tout le monde. Oh, il est trop drôle, il a de la répartie. Jean-Marc. Non, mais je crois qu'il est... Il est parti. Oh, ça me casse les coucougnettes. Enfin, ça arrive, hein. Alors que je les sens pas. Ah, ça fait que des inconvénients, le handicap. Hein. Hier, j'ai tassé 2 heures avec le kiki coincé dans la fermeture éclair. J'ai rien senti, alors... Alors que toi, si ça t'arrive, c'est te dire adieu à ta carrière. Je vais essayer de faire attention. Tiens, en parlant de carrière, Christian, vous faites quoi dans la vie? Je loue ma carte handicapée. Pardon? Je loue ma carte handicapée. Je comprends pas. Ben, moi, j'ai pas de voiture. Alors, je loue ma carte à ceux qui veulent se garer plus facilement. Voilà. Avec cri-cri location, fini les contraventions. Mais, attendez, c'est légal ça? J'en sais rien, mais de toute façon, tout le monde se gare sur nos places. Alors autant que ça aide vraiment un handicapé. C'est une belle façon de voir les choses. Donc vous faites dans la location? Ouais, location en tout genre. Je suis très demandé. Hein, ouais. Autour de France, je loue mon urine. Ça... Oui, bah là, ça devient dégueu, je sais. Oui. D'ailleurs, faudra faire gaffe, parce que dans les coulisses, j'ai croisé un vieux monsieur déguisé en Claude François. Il a cru que c'était un cocktail. Mon clis, il a rajouté de l'ail. Oui, parce que... Il m'a dit ce soir qu'il a chanté du rock'n'roll, hein. Bon, on lui dira de faire attention. Donc vous, c'est que la location, votre truc? Ah non, j'ai un autre travail à côté. Je travaille dans un call center, je donne du plaisir aux gens. Genre du plaisir, genre sexuel? Ouais, je suis en télétravail. Vous travaillez pour qui? Je travaille pour Patrick et Françoise. C'est qui, Patrick et Françoise? Là, c'est comme Jackie et Michel, mais en low cost. Ça... Je suis en télétravail, je te dis, je ne touche en webcam. Mais non, je déconne, je te fais rouler. Je ne touche en webcam, il faut être zinzin pour tâter sur Google, mec en fauteuil qui se caresse les roues. Le dernier mec qui m'a vu tout nu, c'est le docteur, quand j'ai fait le test du Covid. Ah, le test du Covid, c'est dans le nez, hein. Ah bon? Oh, ben, il devait pas être docteur, alors. Et ça devait pas être en coton-tige. Il est né de saint, Poivre d'Arvor? Je sais pas ça. Non. Ouais. On va finir sur France 3. Bon, bref, et le résultat? Bah, il y a une enquête. Non, je parle pas de PDA, je parle du Covid. Vous avez eu le Covid? Ah oui, j'ai eu le Covid du premier coup. Je suis trop fier. Hein, ouais. Ah, alors que j'avais même pas révisé. On m'a dit cette année, il était donné. Hein, En tout, je suis le seul à avoir eu la chiasse. Oui, bah merci. Christian, donc là, si j'appelle Patrick et François, je tombe sur vous, vous faites des trucs chelous au téléphone et vous êtes payé pour ça? Ah non, je suis bénévole. Vous êtes bénévole? Ouais, je travaille pour l'association de la maladie d'Alzheimer. Les mecs, ils s'appellent tous les jours, ils s'en souviennent plus. C'est rentable pour Patrick et Françoise. Ben, Patrick et Françoise, d'accord, mais vous, comment vous faites pour gagner votre vie? Ben, j'ai des aides. Ah. La France est dit en fait. Je touche 288 euros tous les trimestres, et à Noël, j'ai un spectacle de Nîmes, grâce à l'association des sourds et malentendants. Enfin, vous êtes pas sourd, Christian? Hein? Quoi? Eh, me la faites pas, moi. Ça va, je gratte quand je peux. Hein. Je touche aussi 97,50 euros grâce à la mucoviscidose.
Non mais parce que vous avez la mucoviscidose en plus. Mais non, je me fais embaucher pour aller souffler les bougies quand il y a des anniversaires. Sinon ils y arrivent pas, ils y vont au sèche-cheveux. Oui bah merci Christian. C'est émouvant quand le gâteau il arrive. Écris l'histoire. Oui bah merci, merci, merci. Eh belle cette soirée hein. Bah, le principal, c'est d'aider tout le monde. Hein. Ah oui, il faut aider tout le monde, même ceux qui sont différents, comme moi. Voilà. Tu sais, être différent, ça veut juste dire être pas pareil. Hein. Ça veut pas dire être moins bien. Vous avez raison, Christian, être différent, ça veut juste dire être pas pareil. Ça veut pas dire être moins bien. Ah oui, regarde Éric Zemmour, il est différent. Et ils veulent rester. Bon, bref, passons. J'ai entendu que tout à l'heure, Christian, que vous étiez célibataire. Ah oui, mais je suis pas tout seul, hein. J'ai des colocs. Ah, vous avez des colocs, combien? Deux. Ah, comment ils s'appellent? Il y en a un qui s'appelle Jojo. Ah, Jojo le coloc, il est sympa, c'est lui qui vous pousse. Hein? Enfin, je veux dire, c'est lui qui vous encourage. Non, il m'encourage, mais il pousse pas le fauteuil, à part s'il a de la force dans la nâchoire. Comment ça? Moi, autant j'ai un petit trop de laine avec les jambes, lui, il a un petit trop de laine avec les draps, hein. C'est quoi son problème avec les bras? Bah c'est qu'il en a plus. Oh merde, c'est un accident. Bah j'espère, parce que si c'est un choix, c'est nul. Hein. Non, j'aurais pas choisi ça. Hein. Mais il vit très bien son handicap, hein, on en rigole. Il a même réussi à s'inscrire dans un club de boxe, alors. Bah attendez. Mais attendez, comment il fait de la boxe, Jojo, s'il a pas de bras? Bah c'est là aussi rigolo. Il est punching ball professionnel. Il est tout seul dans sa catégorie, hein. Monsieur Patate, qu'on l'appelle à la salle. Oui, bah merci, oui. Ah bah c'est un sacré Jojo, hein. Sacré Jojo, en attendant, hier, il est rentré à 6h du matin, je me suis inquiété, hein. Ah non, c'est ce qu'il a foutu, Jojo. Là, ils avaient oublié de le décrocher. Il est rentré à 6h du matin, c'est la femme de ménage qui ne l'a ramené, on aurait dit un saucisson corse. Sacré Jojo, il est con, ce Jojo, alors. Bon, et le deuxième? Hein? Le deuxième Jojo? Non, le deuxième coloc, comment il s'appelle? Ah, il s'appelle... Pardon? Il s'appelle... J'ai pas compris, il s'appelle comment? Il s'appelle... Bon, Christian, personne comprend rien. Ah, moi non plus, il est nul, j'ai jamais compris son prénom, alors... Et Oui. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie Il est chanteur. Non. Ah si, là, il sort un nouvel album. Moi, j'adore la 7. Tu veux que je te la chante? Ah bon, allez-y, tant qu'on y est. Ok. 3, 4... Eh ben attends! Il y a le refrain. Je fais des fioritures. J'ai pas pris dans la bonne tonalité, je vais recommencer. Non mais c'est bon. Vous me chanterez la 8 dans les coulisses. Ah la 8, je la connais par cœur. Je crois que moi aussi. Bon bah en tout cas, vous avez une sacrée équipe. Hein. Ah bah on nous appelle les 4 fantastiques. Hein. Enfin vous êtes 3. Oh oui. Oh merde. Bernard, tu vis seul? Non, c'est pas. Laisse-le tranquille. Et toi, tu vis seul? Oui, bah moi j'ai Jean-Marc. Chacun son coloc. D'ailleurs, il revient quand Jean-Marc? Parce qu'il est beaucoup plus drôle que toi. Hein. Oh, j'adore Jean-Marc, il est trop drôle. Il est content, il est content. Il a fait ça de l'acte de nerf, il est content. Bah, il va revenir une fois que vous aurez dit au revoir au public, il reviendra. Oh, j'adore Jean-Marc. Tu sais que Jean-Marc et moi, on est pareil, hein. Ah bon? Ouais, on a tous les deux besoin d'un truc pour se déclasser. Ouais. Moi, c'est un grand fauteuil. Et lui, c'est un grand con. Allez, salut le...